Bonjour, je suis Abdesalam Pojedrawi. Je vous propose une seconde vidéo consacrée au livre de Michel Onfray, Penser l'islam. Le sujet d'aujourd'hui est ce que pense justement Michel Onfray du problème de la Palestine. Alors, il a une opinion qui est basée sur une lecture de très près, nous dit-il, du Coran. Michel Onfray dit à propos de la Palestine et du problème des Palestiniens que, hélas, les Palestiniens payent par l'expropriation de leurs terres le prix de la collaboration d'un obscur personnage, un mufti qui s'appelle Hajj Amin el-Husseini, donc collaboration lors de la Seconde Guerre mondial. Vous savez, quand un intellectuel comme Michel Onfray dit « hélas », c'est le « hélas » de l'accablement. C'est dire « hélas, quoi que vous fassiez, vous êtes coupable ». Effectivement, durant la Seconde Guerre mondiale et la montée du nazisme en Occident et l'antisémitisme toujours en Occident, essentiellement en Europe, un homme, un mufti, a rejoint la cause de l'obscurantisme nazi. Il faut savoir de quoi est-ce qu'on parle. Nous parlons d'une seule et unique personnalité, alors que dans le monde pratiquement européen dans son intégralité, il y avait des dizaines de millions d'hommes et de femmes qui sont rentrés dans le fanatisme, la bourouche grande ouverte, le bras tendu en avant, dans le salut du Führer et de la misère et de la barbarie. Et Michel Onfray veut nous suggérer que c'est la même chose, que c'est le même niveau. Je voudrais au préalable faire quelques précisions. En islam, il n'existe donc pas de clergé ni de prêtre. Nous ne sommes même pas dans le cas de figure du système religieux de protestants. Nous sommes encore dans quelque chose qui va encore plus loin, puisque le clergé est strictement interdit en islam. Et quelques précisions. Qu'est-ce que c'est qu'un imam? Un imam, ce n'est qu'une personne chargée de conduire la prière dans la mosquée. Cela peut être n'importe qui. Ce sont les musulmans d'un quartier qui désignent quelqu'un qui peut être le boucher du coin parce qu'il pense que cet homme présente suffisamment de garanties d'honnêteté pour pouvoir conduire les prières. Son rôle s'arrête là. Il n'a aucun pouvoir politique. Ainsi, lorsque dans des télévisions, certaines personnes se disant imams et mettant sur leur tête un képi, une calotte, comme on voudrait l'appeler, et revêtant un burnous, ils ne seront jamais des prêtres. Ils ne représentent que eux-mêmes, ou bien ils peuvent parler au nom d'une association s'ils sont affiliés à une association. Et cela s'arrête là. Ce ne sont pas des prêtres et ils n'appartiennent pas à un clergé et n'expriment que leur propre opinion. Et ça s'arrête là. Qu'est-ce que c'est qu'un mufti? Puisque Michel Onfray parle de ce mufti. Un mufti, c'est un conseiller. Il n'a de pouvoir que de consultation au sein d'un État bien constitué. Et je rappelle que la Palestine, à l'époque du nazisme, n'était pas un État, c'était un agglomérat de villages de bédouins. Donc, un mufti, c'est quelqu'un qui a des connaissances théologique, en théologie. Dans un domaine particulier, ça peut être le mariage, ça peut être l'héritage. Et il y a un conseil qu'on appelle le conseil des
oulémas, c'est-à-dire les savants d'autres théologiens, un niveau supérieur qui peuvent lui demander un avis à propos de sujets particuliers. Est-ce qu'on peut, par exemple, changer ou améliorer l'héritage ou bien changer les conditions du divorce, entre autres. Son rôle s'arrête là. Et même cette assemblée des oulémas, qu'on appelle des théologiens savants, cette assemblée elle-même n'a pas un pouvoir politique. C'est le chef de l'État qui décide, le chef de l'État, lorsqu'il voudrait entreprendre des changements qui touchent quelque chose de très important dans la société, il peut ou il ne peut pas se référer à ce conseil, à cette assemblée des oulémas. Alors le chef de l'État, ça peut être le roi, le sultan, l'émir, le président de la République, etc. Vous savez, dans les pays arabo-musulmans, il y a une diversité, comme du reste dans le monde entier. Donc, le mufti, ce mufti, Hajj Amin al-Husseini, j'espère que je ne me suis pas trompé dans son nom, voyez-vous, je ne le connais même pas. Quand il rejoint les nazis, c'est une entreprise strictement personnelle qui n'a aucune portée historique et qui n'engage certainement pas les Palestiniens. Du reste, comme je l'ai dit, les Palestiniens, ce sont de pauvres personnes, de pauvres gens, des bédouins. Vous leur demandez, vous leur auriez demandé à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que Hitler, ils ne savent pas ce que c'est. Si vous leur aviez demandé à l'époque, qu'est-ce que c'est que le nazisme, ils ne savent pas. Ils ne savent rien de ce qui se passe dans le monde. Tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils souhaitent, c'est s'occuper de leur famille et rester dans leur tradition et les choses s'arrête là. Alors, quand on leur prête des choses aussi graves, c'est avoir l'esprit et le cœur bien retors. Et surtout, les Palestiniens et tout le monde arabo-musulman au niveau de la Seconde Guerre mondiale agit de la façon la plus digne et la plus honorable, c'est-à-dire qui n'ont pas suivi le nazisme. Et c'est parce que des juifs ont vécu dans les pays du Maghreb et d'une façon générale dans les pays arabo-musulmans au moment du nazisme qu'ils ont pu avoir la vie sauve et avoir une descendance. Et ça, Michel Onfray, c'est vrai, ne le dira jamais parce que jamais et ne lira l'histoire, la vraie, de très près. Je peux dire que le comportement à l'époque des Palestiniens fut et a été exemplaire. Ils ont non seulement tourné le dos aux idées de cet obscur personnage, ce moufti, et ils ont répondu à l'appel du nazisme qui s'était bien installé, lui, en Europe, par le mépris et l'indifférence. Et comme j'aurais souhaité que pareille attitude fût la même au niveau de l'Europe. Si les Européens, au lieu de suivre cette barbarie, lui avaient tourné le dos, que de vie humaine aurions-nous pu sauver. Mais il y a également un point qui est grave, auquel Michel Onfray n'a pas pensé dans son splendide livre. Pensez l'histoire. C'est que le mufti ne représente que les musulmans. Or, nous le savons, avec les massacres de Sabraï, Shatila, il existe beaucoup de Palestiniens qui sont chrétiens. Donc, rien ne justifie leur punition, l'expropriation de leur terre, puisque par définition, du point de vue de leur religion, ils n'ont rien à voir avec cet obscur mufti.
Comme je l'ai dit, je rappelle que même les autres n'avaient rien à voir avec cet homme-là. Finalement, mes chers enfants, ne fait que jeter les troubles là où nous avons besoin de clémence, de paix et de miséricorde. Je ne sais même pas si cet homme connaît le sens de ces mots. Et il faudrait parfois s'abstenir de jouer au SDF, à l'éboueur, au clochard de l'histoire. Il faudrait s'abstenir de farfouiller dans les poubelles de l'histoire à la recherche de faits nauséabonds pour étayer des idées au rabais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant le point de vue de Michel Onfray sur ce problème très compliqué et complexe de la Palestine. Je suis Abdessalam Bojedravi. Je continue mes propos sur Michel Onfray et son livre « Penser à l'islam » avec une autre vidéo qui portera sur sa vision du capitalisme, du gauchisme, du marxisme et d'un courant musulman. Très beau mélange. D'ici là, à bientôt et portez-vous bien.